Vlog puisque je souhaite réaliser le challenge 7 jours 7 livres pour ces vacances de fin de... enfin en octobre là pour ces vacances d'automne. Je suis en train de lire donc et de terminer le livre L'Antidote Mortel. Est-ce que si je le finis aujourd'hui ça compte comme un livre qui fait partie des 7 jours 7 livres puisque je l'ai pas lu en un jour? Mais bref, j'essaye de tricher, je sais bien. C'était une lecture très difficile, j'ai eu extrêmement du mal à me mettre dedans. Il se passe vraiment des choses intéressantes qu'à partir de la 200e page, donc quand même c'est la moitié du livre. Et l'écriture est assez compliquée, c'est assez complexe et varié. C'est des univers, c'est un univers qui est très riche et qui est quand même assez sanglant. Je vous en ferai une revue bien plus détaillée, là c'est pas le sujet. Regardez avec la bougie comment ça fait trop beau les reflets. Je suis presque jalouse parce que moi ça me fait un teint un petit peu... grisâtre, forcément j'ai pas beaucoup de lumière assez pour pouvoir lire, mais la caméra ça ne rend pas pareil évidemment. Bref, je vais vous présenter du coup ma petite sélection des 7 livres que je souhaite lire ces prochains jours. Alors, c'est pas parce que je suis en vacances que je ne travaille pas, et c'est pour ça que je choisis des livres, des petits livres, puisque toute la journée je travaille sur mes cours pour le lycée, donc voici ma petite pile à lire. Dans un premier temps, je souhaite lire Nectar et Ambroisie, le tome 1 et le tome 2. Donc j'ai reçu le tome 2 dans mon service presse, donc j'ai acheté le tome 1, pardon, le tome 1 qui est ici. J'ai confondu les deux. Bref, ça me donne tellement envie, cette petite histoire de petits... d'enfants qui partent en rapport avec la mythologie grecque, etc. C'est illustré, c'est un format qui est assez facile à lire, écrit en gros, donc ça va se dévorer tout seul. Je pense que en une heure, voire une heure et demie maxi, je finis un livre, donc voici. Donc ça, ce sont les deux premiers livres. Ensuite, je souhaite lire Le Petit Prince, que je n'ai pas encore lu, pourtant c'est un classique. Voilà, donc c'est grâce à un abonné que je me le suis acheté, donc il était temps de me le procurer. Pareil, c'est un petit livre. Bon, celui-ci, il est écrit un petit peu plus gros, mais 109 pages en une soirée, c'est pareil. Je le termine, donc ça, c'est chouette. Oui, parce que en plus de faire un challenge 7 jours 7 livres, je fais aussi un challenge 7 jours 7 lives. Donc je ne pourrais pas faire des lives de lecture tous les soirs. Je fais des jeux d'horreur, donc voilà. Ensuite, je vais lire ce format poche, Les Pointes Noires, c'est le tome 1 que j'ai également reçu grâce à mon service presse. Très hâte, vraiment minuscule celui-là, mais alors tout petit. Oh, quoique il fait 150 pages, hein. Mais il est tout fin, c'est impressionnant. Ensuite, je vais commencer enfin l'Atelier des Sorciers, le tome 1. Donc là, je l'ai en version 48 heures BD, mais j'ai l'autre version que je ne peux pas abîmer, donc je ne l'ai pas prise avec moi. Mais un manga, ça va se lire tout seul, avec tous les dessins, etc. Donc ça va être très rapide, pareil. En une soirée, c'est fait. Et ensuite, ça se complexifie un petit peu sur la fin. Je souhaiterais lire Harry Potter et l'Ordre des Philosophes, que j'ai reçu grâce à la maison d'édition qui me l'a envoyé pour que j'en puisse en faire une revue sur ma chaîne Ravenclaw. Donc je l'ai toujours pas lu, il serait temps, et ça m'intéresse, c'est une réflexion philosophique. Il y a, attendez je vous dis, 217 pages, c'était assez écrit gros, donc ça pourrait être sympa même pour mes vidéos YouTube, ça peut peut-être m'inspirer quelques réflexions et analyses, donc ça c'est vraiment chouette. Ensuite, et pour terminer, logiquement on arrive à 7 livres, je terminerai par Rose Rage que j'ai reçu de la part des éditions Hachette Roman en format poche, et il a beaucoup fait parler de lui sur la toile, donc il serait temps que je le lise et que je vous en fasse une revue. 275 pages, donc finalement il a l'air tout petit mais il est quand même assez dense, donc pareil, à voir si j'arrive à tenir. Et au départ j'avais mis celui-ci, La Ville Sans Vent, mais mon dieu il fait plus de 500 pages en fait, on n'a pas l'impression parce que ce sont des formats poche et on se dit ouais ils sont tout petits. Oui ils ont beau être tout petits, ils sont quand même écrits denses et il y a quand même 500 pages, donc
Celui-ci, je le lirai après, pour le mois de novembre, mais il ne fera pas partie de mon challenge 7 jours, 7 livres. Pas pour cette fois-ci, mais voici des petites lectures que je suis sûre la moitié de réaliser cette semaine. Après, je me mets pas non plus la pression, si je n'y arrive pas, c'est pas grave. Mais au moins, ça me permet de vider ma petite pile à lire assez efficacement. Bref, du coup, là, je vais aller lire pour essayer de terminer celui-ci ce soir. Et donc, je vous tiendrai au courant de mes avancées de lecture. Je viens de finir de tourner une vidéo sur mon avis de la passe miroir qui normalement est arrivée la semaine dernière sur la chaîne si je suis bon dans mes calculs. J'ai terminé l'antidote mortel, c'était sympa, enfin je vous en parlerai je pense dans une vidéo plus détaillée de mes lectures d'octobre et novembre là. Mais c'était un petit peu long quand même. J'ai commencé le tome 1 de Nectar et Ambroisie hier, mais en fait j'ai fini mon live extrêmement tard. On s'est vraiment amusé, on a vraiment bien parlé avec mes amis. Donc il était minuit passé, j'étais vraiment fatiguée. J'ai lu 30 pages histoire de dire. En plus c'est écrit extrêmement gros, genre je pense que en roman ça doit faire 2 pages. Bref, voilà, j'ai commencé ce livre aussi. Normalement je le termine aujourd'hui et donc du coup on commence véritablement le challenge aujourd'hui. J'ai vraiment ma petite tête du matin. Mais bon, c'est pour vous dire que donc j'ai terminé le premier tome de Nectar et Ambroisie, c'était vraiment tout mignon, j'ai adoré. Donc je vais enchaîner avec le tome numéro 2. Hier je crois que je l'ai lu, enfin j'avais commencé à le lire avant, en même pas une demi-heure, donc vraiment ça se lit tout seul. C'est pour les enfants et franchement c'est trop trop chou et ça raconte un petit peu les bases de la mythologie. Bon, sans rentrer dans vraiment les détails, il faudrait approfondir, mais je trouve ça très mignon, donc voilà. Et eh bien le tome 2 est aussi terminé, c'était vraiment encore une fois mignon également, donc c'est des livres que je valide. Et que si vous êtes fan de mythologie, je vous recommande, franchement c'est très mignon, ça se lit facilement. Et voilà. Je suis désolée pour le petit bruit à l'arrière, je suis en train de faire cuire mes pâtes et en attendant donc j'ai pris un autre livre, donc c'est Le Petit Prince que je vais commencer. Il est vrai que j'ai pas pris le temps aujourd'hui de prendre en photo puisque généralement quand je termine une lecture je la prends directement en photo et je la programme pour la publier sur Instagram, même si c'est pas dans l'immédiat et que c'est dans quelques semaines, au moins c'est fait et je fais la revue. Mais là je l'ai pas fait aujourd'hui donc faudra que je le fasse demain. Regardez, j'ai madame là qui s'est installée juste à côté de moi, elle a joué avec le truc de l'appareil photo, mais bon je vais commencer, je le terminerai pas aujourd'hui c'est sûr, mais peut-être d'ici demain, donc voilà, j'avance, c'est pas un jour par livre, mais théoriquement ça fera 7 jours 7 livres quand même. Mes premières impressions à la lecture du Petit Prince, donc dans les premiers chapitres, là je suis au chapitre 6, sont plutôt bons. J'avais extrêmement peur parce qu'il s'agit d'un classique et que j'avais un petit peu peur aussi au niveau de l'écriture, qu'elle soit un petit peu trop pompeuse, un peu trop, enfin voilà, comme on avait l'habitude d'écrire et de lire en littérature pardon, classique du style Victor Hugo, Patrice, oui. Jules Verne, etc. Et donc là, non, pas du tout. Et je trouve que c'est une lecture assez singulière. Et j'apprécie énormément. Donc j'espère que mon coup de cœur, en tout cas, enfin c'est pas vraiment, enfin, je sais pas si on peut parler de coup de cœur, mais en tout cas, le fait que j'apprécie autant cette lecture continue par la suite. Donc je suis déjà à la page 35 sur 112. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai même lu pendant mon repas et ça n'arrive pas souvent ce genre de choses. Donc vraiment, c'est que la lecture me plaît pas mal. Bien le bonsoir, j'ai terminé Le Petit Prince tout à l'heure et franchement c'était une lecture toute douce, adorable, toute mignonne, en plus elle est toute petite donc qui se lit super vite et je comprends que beaucoup de personnes aient apprécié cette lecture, d'autant plus quand on l'a lu plus jeune. Ça fait vraiment rêver, c'est très poétique, c'est à part, j'arrive pas à utiliser les bons termes mais c'est vraiment quelque chose qui nous transporte et je trouve ça vraiment beaucoup trop mignon. Bref, de toute façon je vous ferai un avis global de tout ce retour, de tous les livres que j'ai pu lire pour cet automne. Là ce soir je vais donc m'attaquer au premier tome de L'Atelier des Sorciers. Il était temps, ça va faire un an que je l'ai et que je dois le lire. Donc je vais lire ça, il y a 220 pages donc je suis pas sûre de le terminer ce soir. Mais j'ai déjà terminé mon livre du jour, c'était Le Petit Prince en fait. Je suis un petit peu en avance donc en fait je suis un petit peu en décalé. C'est vrai que j'ai pas un livre par jour, à chaque fois je suis entre deux jours. Mais je vais réussir du coup le challenge, c'est comme ça que je pense que je vais réussir. D'autant plus que demain je fais un live lecture. Donc je vais pas mal avancer, donc je vais prendre un livre qui est peut-être un petit peu plus épais pour pouvoir le lire et être sûre de le lire demain. Bref, je verrai comment je m'organise. Mais déjà là, il est même pas 22h, donc je vais avoir largement le temps de bien l'entamer. Peut-être pas le finir, mais voilà, ça sera déjà une bonne chose de faite. Mais très contente de enfin commencer
Ces mangas, et c'est les premiers en dehors de l'Attaque des Titans que je lis. Et j'ai d'autres mangas à lire, donc ça c'est vraiment chouette. J'entame enfin ce genre pour de vrai, de façon sérieuse. Il était temps. Allez-y, je vous emmène dans le backstage avec moi, mais en fait, mon lit, en fait, c'est ma tête de lit, c'est des étagères, donc je ne peux pas lire dans mon lit à moins de mettre deux gros coussins, un troisième ici, et je m'adosse comme ça. Voilà, mais c'est pas le top, hein. Ça finit par faire mal et tout, c'est pas le plus confortable, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir lire un petit peu dans le lit, sinon je vais lire là-bas. C'est pas très 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 pratique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, elle me paraît plutôt pas mal comme photo, regardez. En vrai, ça va, hein. En vrai, j'aime bien. Je pense que même s'il y a le truc là, ici, en boule, ça rajoute un petit peu plus de dimension, on va dire. Par contre, je suis beaucoup trop fan de la photo que je viens de faire pour l'atelier des sorciers. Elle est beaucoup trop belle, je la kiffe de ouf, bref. Maintenant que c'est fait, je vais donc terminer la lecture du premier tome de l'Atelier des sorciers. Et après, je pense que je vais chiller, voilà, devant Animal Crossing. Bah ça va et toi? J'ai enregistré un petit quelque chose et c'est pour un projet de Emma de la chaîne La Bouquinade, donc je vous laisse la rejoindre sur les réseaux sociaux, vous aurez toutes les informations en temps et en heure, je veux rien spoiler, évidemment je la laisse faire. J'ai fini l'atelier des sorciers ce matin, c'est vraiment un gros coup de cœur ce manga, il est magnifique que ce soit dans les dessins, dans l'histoire, c'est assez mature, franchement j'aime énormément, il y a beaucoup d'intrigues et de péripéties, c'est un réel coup de cœur pour cette découverte, mais je n'enchaîne pas avec le tome 2 puisque je veux avancer dans ma pile à lire de ces 7 jours, 7 livres, donc j'enchaîne avec Harry Potter et l'Ordre des Philosophes aujourd'hui. J'ai un peu de temps devant moi, donc ça c'est chouette, je vais pouvoir me concentrer sur cette lecture, surtout que ce soir il y a le live lecture, donc ça va me permettre d'avancer et de regarder s'il n'y a pas des analyses possibles à faire dessus. C'est vraiment super chouette ces petits bouquins et donc peut-être que ça pourra m'aider à faire des vidéos sur ma deuxième chaîne YouTube. Enfin voilà, un petit peu le bilan de où j'en suis dans mes lectures ces derniers temps. Et franchement, j'aime beaucoup parce que j'enchaîne un petit peu les lectures qui sont, que j'apprécie. Et il n'y a pas encore eu de grosses déceptions, donc ça c'est vraiment chouette. Et j'espère poursuivre sur des bonnes ondes positives jusqu'à la fin de ce vlog.
Et bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ah. Ok, bonsoir. On est déjà dimanche, j'ai pas vu le temps passer cette semaine, c'est incroyable. Hop, je mets mon petit chrono, je vais me mettre aussi sur la page lecture. J'ai oublié de retirer les sons d'alerte, je les avais réactivés la dernière fois. Je viens de finir à l'instant Harry Potter et l'ordre des philosophes. C'est un avis un petit peu mitigé, il y a certains moments où ça parle pas trop philosophie mais il y a quand même de bons éléments, donc globalement c'est quand même un livre qui me satisfait dans son ensemble. Là j'ai quelques petites choses à faire, je vais profiter de enfin me reposer parce que jusque là je travaillais tous les jours, là je me repose un petit peu et je vais aller notamment chez le coiffeur et faire quelques boutiques cet après-midi. Et ensuite j'enchaînerai du coup soit avec Rose Rage, soit avec Les Petites Pointes Noires. L'un des deux, je vous tiendrai au courant, de toute façon vous n'aurez pas de surprise puisque pour vous c'est dans quelques instants, mais moi pour moi encore c'est dans le débat dans ma tête, je sais pas trop lequel choisir, voilà. Ce matin sur un coup de tête j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur donc j'y vais là dans même pas une heure. En attendant donc j'ai commencé la lecture de Les Petites Pointes Noires. Non c'est Les Pointes Noires pardon, c'est pas les... je sais pas pourquoi j'avais dans la tête Les Petites Pointes Noires. Donc c'est Les Pointes Noires écrit par Sophie Noël au format poche. Il me semble qu'il y a donc plusieurs tomes puisque vous voyez il y a d'autres tomes qui sont là marqués derrière, donc à l'opéra et à New York. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est de couleur de peau noire et qui souhaite faire de son métier son métier, qui est donc de danser et faire de la danse classique, sauf que le problème c'est que elle n'a vu que des figures féminines de couleur de peau blanche, donc elle se demande s'il est possible pour elle de réaliser ce rêve aussi. J'adore la danse, j'en ai fait quand j'étais plus jeune, donc forcément c'est un livre qui va me parler. Il est assez petit, enfin il a l'air d'être assez petit mais il fait quand même 150 pages, donc j'ai commencé cette petite lecture toute douce et j'espère la terminer d'ici ce soir, enfin avant demain matin. Oups, j'ai un petit peu craqué. J'ai été chez le coiffeur, franchement ça fait énormément de bien. Je sais pas ce que vous en pensez mais là revenir à un carré court classique, moi ça me rend de joie, ça me ravit, je suis trop contente et j'en avais vraiment bien besoin, ça fait du bien au moral. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je voulais juste vous prévenir que si je regarde vers le bas c'est parce qu'en fait sur Instagram je fais des stories privées pour justement montrer à mes amis ce que j'ai acheté. Donc je vais sûrement m'adresser plus à eux qu'à vous. Vous m'excusez mais du coup je trouvais ça un petit peu drôle et au lieu de filmer deux fois la même chose, ça fait un gain de temps donc voilà. Bref, on va commencer tout de suite. Mais vous connaissez mon amour pour Noël et j'ai pas pu résister, il y avait tellement de choses et on a, enfin Noël c'est pas tous les jours, donc voilà, on va commencer par les achats que j'ai fait à Auchan parce que je savais que chez Action il y avait pas grand chose, donc j'ai été à Auchan avant tout. J'ai craqué sur quelque chose qui est immense et qui coûte un petit peu cher mais ça me suis fait plaisir. Regardez, il pèse une tonne ce truc. Donc il s'agit d'une sorte de petite statuette, bon, qui pèse son poids et qui s'illumine. Alors je sais pas s'il y a une pile ou pas dedans, je pense pas. Bref, il y a une guirlande nette tout autour mais je trouvais ça beaucoup trop beau, voilà, en décoration chez moi ça va faire trop joli. Donc voilà, bref, je suis trop contente. 34€ il me semble, donc voilà, ça reste raisonnable quand même hein. Voilà le premier achat qui est quand même assez conséquent. Mes achats étaient un petit peu influencés, j'avais une liste déjà de décorations en fonction des inspirations que j'avais vues sur Instagram. Par conséquent j'ai acheté deux petits nœuds comme ça chez Auchan, je crois que c'est 10€ le petit nœud ou quelque chose comme ça,
c'est pas marqué, mais voilà, je trouvais ça beaucoup trop joli. Voilà, ils sont quand même assez gros, ils sont en velours, ils sont trop mignons. Je savais qu'il n'y avait pas ça chez Action, donc je l'ai acheté là. Ensuite j'ai acheté une grande chaussette. Alors j'ai longtemps hésité avec des petites chaussettes un peu moins chères, mais celle-ci ça faisait un peu un effet tricoté etc. Elle était trop mignonne, donc pour 8 euros, voilà, elle est très très grande, donc ça c'est super chouette, je voulais des grands trucs. Et ensuite c'est pas en rapport avec Noël, mais j'ai acheté un livre. J'ai acheté un livre car je dois faire une lecture avec une amie et je dois l'annoter. J'ai déjà le livre, ma soeur me l'avait offert, mais comme je dois annoter le livre, je préfère le racheter pour l'annoter, pour lui offrir, parce que je dois lui donner à la fin, donc quand même qu'il soit dans ma collection aussi et dans la sienne. Donc voilà pourquoi je l'ai racheté. Donc c'est terminé pour chez Auchan, du coup je suis allée chez Action. Chez Action, la première chose que j'ai trouvée, c'est cette couronne de Noël qui est déjà faite, parce qu'en fait il y en a beaucoup qui sont proposées, qu'on doit composer, et je trouve que c'est un petit peu cher. Là pour 9 euros, elle est toute prête, donc parfaite. J'en voulais plusieurs mais j'en ai trouvé qu'une seule, donc bon bah c'est pas grave, peut-être qu'il y en aura dans d'autres magasins plus petites. Ensuite qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, un chemin de table. Je voulais absolument mettre un petit chemin de table sur ma table de ma petite table basse devant la télé, donc je l'ai pris en rouge parce que c'est sûrement les couleurs que je vais mettre dans mon sapin, parce que ça fait Noël, donc voilà, je voulais un chemin de table. Et ensuite j'ai acheté ceci, une petite branche comme ça, et une bouteille avec du coup une guirlande LED, mais même sans que ça soit Noël, je trouvais que ça faisait un bel élément de décoration. Voilà, et un truc comme ça, enfin faudrait peut-être couper un petit peu, mais voilà, je trouvais que c'était fort sympathique, du coup pour 5 euros il y a la déco en entière. Voilà voilà, bref, je voulais recontinuer ma lecture là en arrivant, mais j'avais oublié qu'il faut absolument que je fasse aussi mes affaires, puisque demain je pars dans ma famille, donc il faut que je prépare mon sac puisque j'y reste plusieurs jours, et du coup je vais lire plus tard, il faut qu'aussi je prévoie mes lectures sur place. Voilà, donc peut-être qu'à partir de demain, vous aurez un petit peu moins d'extraits de vlog, mais je vous ferai un bilan à la fin, c'est promis. J'avais oublié que c'était Halloween, et c'est la première fois que je joue à Animal Crossing pendant Halloween, puisque je l'ai eu en décembre, donc bah, je suis en train de faire l'événement. Et du coup, j'ai pas avancé ni sur ma lecture, ni sur ma valise. Regardez, je suis toujours très bien accompagnée de mon gros chat. J'ai fait quelques photos, c'est ce qui explique pourquoi j'ai des vêtements. Mais voilà, franchement, c'est une soirée très chill, j'adore. Me voilà revenue de mon week-end et vous n'avez eu aucune information, je vais vous faire un petit débriefing. Alors si vous entendez miauler, c'est juste que mon chat m'a retrouvée, donc forcément elle est très contente et elle me le fait savoir. Alors je n'ai pas beaucoup avancé dans mon challenge et je ne l'ai pas tenu, du coup je n'ai pas réussi à faire 7 jours 7 livres, tout simplement parce que pendant ce week-end j'ai eu une énorme migraine qui m'a un petit peu embêtée, puisque je voulais profiter déjà d'être avec ma famille et j'ai pas très bien profité, j'ai vraiment eu une migraine qui m'a bien prise la tête, donc dans ces cas là vraiment il n'y a aucune chose à faire. J'ai avancé je crois de 20, voilà, 20 pages même pas dans ma lecture par rapport à la dernière fois, enfin je suis à 113 donc peut-être un petit peu plus, mais j'ai pas fini le livre alors que bon bah j'aurais pu clairement le terminer. C'est ce que je vais faire de toute façon ce soir, mais un petit peu triste, un petit peu déçue de ne pas avoir tenu ce challenge parce que c'était des petits livres, mais je ne m'en veux pas. En revanche, nous sommes sortis et j'ai fait quelques achats, j'ai un petit peu craqué. Alors, que je vous explique et que je vous montre tout ça. Déjà, forcément, on a été chez Cultura et je savais que j'allais craquer. Et quand j'ai vu qu'ils avaient déjà installé le rayon des romances de Noël, j'ai craqué. Et donc j'ai pris celui-ci parce qu'il était en format poche et que le synopsis me donnait très envie. Il était sur ma pile à lire que je vous fais prochainement. C'est mon Noël Royal avec le prince des relous. Donc voilà, une petite romance un petit peu cliché de Noël, c'est tout ce que je demande. Donc ça, c'est vraiment idéal à 7,20€, clairement abordable, donc voilà. Et ensuite c'était un grand Cultura, pas contrairement à ce que je peux trouver chez moi, donc il y avait énormément de livres en édition hardback qui étaient sortis récemment et qui sont donc en édition limitée. Je me suis restreinte parce que bah j'ai pas non plus le budget illimité, surtout que ça va être Noël et qu'il faut faire les cadeaux etc, mais j'ai quand même craqué pour ces deux éditions limitées et hardback de des Heartstopper. C'est trop beau, voilà, ils étaient magnifiques et les deux étaient là, donc j'ai craqué. Je voyais pas à l'avoir l'un sans l'autre, donc comme il y avait les deux, j'ai craqué pour les deux. Donc voilà, ça va me donner un prétexte pour les lire d'ici la fin de l'année. Et c'est super chouette, ils sont super beaux, j'ai hâte de faire une petite photo dessus. Donc voilà, après j'ai été quand même assez raisonnable, c'est des décorations de Noël essentiellement, je vous montre pas forcément. Mais voilà, c'était vraiment un super week-end, j'ai bien profité d'être avec ma famille, c'était l'essentiel, c'était le plus important. Et là juste avant la rentrée, de toute façon je vais me couper quelques jours, enfin il me reste 3 jours, donc je vais me couper ce week-end et je vais lire
tout ce week-end pour voilà, profiter, me reposer et avancer dans mes lectures, car je suis vraiment dans un mood lecture en ce moment. Je sais pas pourquoi, je suis à fond dedans. Enfin bref, j'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Des quelques rushs que j'ai pu voir déjà au montage, j'avais plutôt bien apprécié l'ensemble et l'esthétique que ça sortait de ce vlog. Vraiment je me suis amusée et j'ai kiffé le faire, donc je pense en refaire peut-être plus souvent, mais voilà, j'ai beaucoup aimé le faire et ce challenge je l'ai quand même apprécié malgré le fait qu'il ne soit pas complet. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez également en ce moment, et puis moi je vais vous laisser ici. Je vous souhaite donc de très bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo qui arrive donc la semaine prochaine, et sur ce, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.